Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Votre frigo américain ne fait plus ou pas assez de froid? Pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous aider à en trouver la cause en partant de la moins contraignante à la plus grave. La première chose à faire si votre réfrigérateur ne s'allume plus ou ne fait plus de froid, c'est de regarder s'il est bien branché. Cela vous évitera des démontages inutiles et précipités. Si c'est votre cas, rebranchez-le et il devrait repartir. Autre élément à charge si votre frigo ne fonctionne plus, votre disjoncteur. En effet, si la tension n'arrive pas sur votre prise, l'appareil ne pourra pas fonctionner. Vérifiez votre disjoncteur et s'il est abaissé, remontez-le. Attention, s'il redescend après quelques minutes ou quelques heures, vérifiez que vous n'avez pas un élément comme la résistance de dégivrage ou le compresseur qui serait à la masse. Généralement, quand la porte est mal fermée, elle émet un bip après quelques minutes. Mais attention, si vous poussez mal un bac à légumes par exemple, la détection de porte peut s'enclencher sans que cette dernière soit complètement fermée. Vous n'en serez pas averti et l'air chaud de la cuisine pourrait rentrer dans le réfrigérateur ou le congélateur. Une simple fermeture de porte devrait refaire partir votre appareil. Encore un cas qui ne vous coûtera pas grand-chose, la prise en glace. Oui, je sais, votre appareil est à dégivrage automatique, mais parfois, l'usage qu'on en fait peut faciliter l'apparition de glace excessive. Vous avez des sorties d'air dans le fond du congélateur qui permettent à votre appareil de respirer. Donc attention à ne pas le surcharger. Cela peut créer un bouchon de glace qui peut aller jusqu'à bloquer votre ventilateur et empêcher le bon fonctionnement de votre appareil. Cela peut boucher aussi l'écoulement, ce qui créera un débordement lors du dégivrage. Vous aurez alors de la glace sous le dernier bac du congélateur. Un simple dégivrage pendant 24 à 48 heures devrait régler votre souci. Et si la glace revient après quelques jours, c'est que le problème est un peu plus grave. Vous devrez alors contrôler la résistance de dégivrage ainsi que la résistance d'écoulement si vous en avez une. Je vous conseille de refaire un dégivrage avant de démonter car sinon vous risquez de casser un des éléments. Si vous avez de la glace qui sort du carter et a tendance à bloquer votre ventilateur, commencez par contrôler la résistance de dégivrage qui se trouve sur l'évaporateur au centre de votre appareil. Si la glace a tendance à s'accumuler au sol, c'est la résistance d'écoulement que je vous conseille de contrôler. Elle se situe en bas de l'appareil. Testez-la à l'aide d'un multimètre, vous devriez trouver une valeur comprise entre 20 et 60 ohms environ. Si vous n'avez pas de valeur, c'est qu'elle est coupée et il faudra alors la remplacer. Par contre, si sa valeur est bonne, c'est qu'elle est fonctionnelle et il faudra continuer de regarder cette vidéo pour trouver la cause. Les sondes servent à réguler la température. Elles fonctionnent selon une plage précise définie par le constructeur. Leur rôle est de relever la température dans l'appareil et de la lui communiquer. C'est ce qui permet de garder une température stable. Si elle envoie une mauvaise information, vous risquez d'avoir trop ou pas assez de froid. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo pour vous expliquer comment les tester et les remplacer. Le lien est en description. Le ventilateur sert à garder un froid plus homogène. Il vous permet de conserver la même température en haut comme en bas. S'il ne tourne pas, vous risquez d'avoir des problèmes de température. Contrôlez-le visuellement et s'il est juste pris en glace, dégivrez-le. Malheureusement, il peut également finir par se couper et vous n'aurez pas d'autre choix que de le remplacer. Le thermofusible sert à couper l'alimentation de la résistance de dégivrage à partir d'une certaine température. Si celui-ci est HS, la résistance ne pourra plus faire son travail et votre appareil risque de se prendre en glace. La carte inverter sert à réguler le fonctionnement du compresseur. Sans elle, le moteur ne démarre pas et votre appareil ne fait pas de froid. Si le compresseur ne démarre plus et que les autres éléments sont fonctionnels, il est possible qu'elle soit en défaut. Son remplacement sera alors nécessaire pour que votre appareil retrouve toutes ses fonctionnalités. La carte de puissance est un peu le cerveau de vos appareils électroménagers. Et le réfrigérateur américain n'y fait pas exception. Quand cette carte montre des signes de faiblesse, c'est très contraignant car elle met en défaut la totalité de l'appareil. C'est la dernière pièce à remplacer sur un appareil électroménager.
sur votre réfrigérateur, c'est le dernier espoir avant de faire appel à un frigoriste. Si tous vos éléments sont bons ou que votre appareil ne s'allume plus du tout, il faudra probablement remplacer votre carte de puissance. Votre réfrigérateur a besoin d'une certaine quantité de gaz pour fonctionner. Le circuit à bois est hermétique, il arrive parfois que celui-ci se perce. Le gaz s'échappera alors progressivement et l'appareil produira de moins en moins de froid. Si vous avez contrôlé tous vos éléments et que vos températures remontent progressivement, c'est que vous avez probablement un défaut sur le circuit. Si c'est votre cas, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire appel à un frigoriste. Votre appareil est équipé de deux évaporateurs. Pour envoyer le gaz du bon côté, le constructeur a prévu une vanne. Si cette dernière est bloquée, malheureusement, vous n'aurez plus de froid dans une des deux parties et son remplacement sera alors inévitable. Son remplacement nécessite une ouverture du circuit frigorifique. Vous n'aurez donc pas d'autre choix que de faire appel à un frigoriste. Le compresseur est le moteur de votre appareil, donc sans lui, pas de froid. Ce dernier est équipé de pistons qui ont besoin d'huile pour fonctionner. Malheureusement, par manque de gaz, l'huile peut s'échapper dans le circuit et bloquer vos pistons. Cela rendra votre compresseur hors d'usage et vous n'aurez pas d'autre choix que de le remplacer. C'est la réparation la plus coûteuse et vous ne pourrez pas la faire seul. Vous devrez faire appel à un frigoriste et compter un minimum de 350€ pour cette opération. Voilà, vous connaissez les éléments à vérifier si vous avez un problème de froid sur votre réfrigérateur américain. Si vous avez des questions, laissez-nous un commentaire et nous y répondrons. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.